Bonsoir à tous et bienvenue pour Hors-Jeu, on est très contents. Quanto, c'est Fantomas. Comment ne pas avoir le sourire aujourd'hui? Comment ne pas avoir le sourire? La meilleure équipe du monde s'est qualifiée. On est très 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 heureux, toute la team est là et présente. Bruce est là, Sipion est là, Quanto aussi, il a un petit peu changé de couleur. Mais il est bien présent et il va bien. Les amis, on va revenir sur les matchs du jour et on va parler des matchs du soir. Et on va aussi parler un petit peu de l'équipe de France demain, de la compo que Didier Deschamps va aligner contre la Tunisie. Hein. C'est un match qui compte un petit peu pour du beurre pour l'équipe de France. Donc on va voir ce qui va se passer et quelle est la meilleure méthode justement pour aborder ce match-là. Juste avant, j'en profite pour vous dire que cette émission est faite avec Winamax, que vous avez un bonus de bienvenue sur le site winamax.fr. Vous pouvez aller vous inscrire et votre premier dépôt est doublé en pari gratuit et ça c'est jusqu'à 100 euros. Et avec le code HORSJEUDI, vous avez 10 euros de bonus en plus à parier sur le site. Et Quanto, je te passe la parole, bien sûr. Il faut faire la petite prévention, comme d'habitude, c'est important. Ouais, c'est ça. Même si la Coupe du Monde avance maintenant depuis pas mal de jours, il faut toujours avoir son petit budget à respecter avant la Coupe du Monde et à ne surtout pas dépasser pour être des joueurs, tout simplement, qui ne seront pas des joueurs potentiellement dangereux. Oui, tout à fait. Et puis, on rappelle aussi que les paris d'argent, les jeux d'argent, pardon, sont interdits aux mineurs. J'en ai une à côté, elle me regarde, elle me dit « C'est vraiment toi qui es en train de faire ce message-là » Ouais, c'est moi. Alors, on va pas te changer, Quanto. Bruce, comment ça va? Bah écoute, ça va, mais j'espère que vous aussi. Braque, félicitations, oui. Déjà, merci, parce que merci. T'es déjà qualifié en quart de finale, puisque l'Angleterre va sûrement jouer le Sénégal. Du coup, félicitations, c'est quoi qu'il arrive en quart de finale de cette Coupe du Monde, Braque. Bravo à toi. Mais j'y étais déjà avec l'équipe de France, donc je sais pas ce que t'insinues derrière ça. Bon, mais toi, c'est vrai que tu peux être en finale, quoi, des deux côtés. C'est vrai, non mais j'ai pas mal de tableaux, quoi. Ouais, franchement, prenez exemple, les gars. Soyez supporters de plusieurs équipes. En demi-finale, et comme ça, au moins, t'es tout le temps content. Pourquoi ? T'es en demi-finale, puisque la France croise en quart avec l'Angleterre, Sénégal potentiellement. Ah bah ouais, bah, je suis en demi. Du c'est coup, bon. T'es quasi en demi déjà. En bravo, demi. Braque. Merci beaucoup. Merci. Et oui. Qui avait dit que cette Coupe du Monde en hiver serait pétée, serait éclatée ? Bah voilà, on a la preuve que c'est tout le contraire qui se passe. Merci pour moi. Sipion, ça roule ? Bah écoute, ça va, super, très content pour le Sénégal, très content pour toi, parce que en plus je trouve que c'est un match référence, il y a beaucoup de bonnes choses à dire, donc franchement, ouais. Je suis très heureux pour les Lions. Ouais, je pense qu'on va en parler. Comment va le chien ? Écoute, ça va, là je l'ai mis hors de la chambre parce que les galipettes, c'est bon, c'est fini, là, l'artiste de cirque, je le retrouve dans une heure. On arrête les conneries. Et Quanto, comment ça va ? Ouais, écoute, ça va, on vient de regarder le match, on a suivi un petit peu les Pays-Bas aussi, et... Bah écoute, ça va, on s'est pas régalé, je vais pas aller jusque là, mais on sent qu'on avance petit à petit dans les matchs les plus importants de la Coupe du Monde, et mine de rien, ça fait plaisir d'être là au troisième tour des matchs de poule, parce qu'on sent que l'enjeu c'est vraiment maintenant, quoi. Bah, qui dit troisième match dit forcément parfois match couperet, donc match avec beaucoup plus de pression, donc c'est logique que les calculs soient un petit peu plus intenses. En tout cas, on va revenir là-dessus, et on va commencer d'abord, comme c'est la tradition, par le point bleu. Allez. Et Quanto, tu vas garder la main. On va juste parler un petit peu de la composition de l'équipe de France et de ce que Didier Deschamps doit faire demain, tout simplement, parce que la France va jouer son troisième match de poule contre la Tunisie. La Tunisie qui, elle, n'est pas encore out de cette Coupe du Monde et va donc devoir jouer sa qualif contre l'équipe de France. Quelle est la meilleure option qu'est-ce que Didier Deschamps doit faire? Et peut-être qu'après, tu pourras aussi donner ton avis hein, sur Benzema, vu que tu n'étais pas là hier, Quanto.
Bah écoute, au niveau de la composition, non, Deschamps il va beaucoup faire tourner. De toute façon, je pense qu'on a vu déjà pas mal de compositions probables circuler par-ci, par-là, en fonction des insiders de l'équipe de France qu'on peut avoir. Le milieu de terrain va beaucoup tourner, il va avoir un peu des changements en défense, et puis bah, surtout le secteur offensif où ça devrait bouger avec Dembélé notamment qui sera pas aligné avec Olivier Giroud. Après, à voir exactement quels seront les noms, même si là je pense que les compos probables qu'on peut lire à droite à gauche sont plus ou moins celles qu'on devrait voir demain. Ouais. J'ai vu Thuram titulaire. Bon, j'aurais préféré voir Randal Kolo Muani titulaire 1000 fois, que je trouve 1000 fois meilleur. Mais voilà, donc écoute, on verra. De toute façon, ce match-là, j'ai envie de te dire. Alors, il n'y a pas une grosse attente niveau équipe de France parce que le match n'est plus important. Ouais. Malgré tout, et je le dis sans manquer de respect à la Tunisie qui pour le moment bah, font un peu office de surprise sur leur premier match, mais un peu plus déçu sur le deuxième. Je pense que n'importe quel joueur des 23, des 26 joueurs de l'équipe de France, ou plutôt des 25 sans Benzema, n'importe lequel d'entre eux serait titulaire dans l'équipe tunisienne. Donc Ouais. je pense que même si tu fais tourner cette équipe de France, quoi qu'il arrive, même avec nos remplaçants, je pense qu'on a quand même une équipe qui sur le papier restera au-dessus de la Tunisie. Et ça, c'est sans manquer de respect. Quand on regarde les effectifs de l'équipe de France, les clubs dans lesquels jouent les joueurs, par rapport à l'effectif tunisien, il y a quand même une petite différence. Donc écoute, on verra. Est-ce que ça va bien jouer? Je sais pas. J'espère juste qu'on va avoir un beau match, que les Tunisiens vont se battre pour essayer d'aller chercher leur ticket, mais ça, j'en doute pas du tout. Et que nos Français, bah, ceux qui n'ont pas le temps de jouer espéré, vont pouvoir taper un kiff à jouer un match de Coupe du Monde et ramener un bon résultat. Ouais, tu veux dire que le niveau global, en tout cas, de l'équipe de France est bien au-dessus de celui de la Tunisie. Donc forcément, ça risque d'être difficile pour les Tunisiens. Bon, Bruce, tu vas nous dire ce qui te fait rire depuis tout à l'heure, hein, parce que j'essaie de comprendre, mais Mais non, qu'est-ce mais que t'as vu? c'est parce que c'est sur Kanto. Il y en a, ils disent il est en train de rendre l'âme. Il y en a, ils disent c'est un baby. Il y en a, ils disent c'est un baby bell. Il y en a, machin, connerie. C'est tout. Non mais c'est vrai qu'il a un teint, frère, c'est très Mais très le pire, c'est que compliqué. tout à l'heure j'avais des couleurs, hein. C'est les réglages caméra. Tout à l'heure j'avais les couleurs, là je sais pas pourquoi. C'est vrai que je suis peut-être un petit peu pâle, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. On a encore un peu besoin de toi là. Non, je vais essayer de finir la Coupe du Monde avec vous. Après, je garantis rien avec un teint pareil. C'est vrai qu'il est en train de rendre l'âme, il était pas mal celui-là. Bon, Bruce, alors, demain, cette équipe de France, quels sont les joueurs que tu as envie de voir? Et quels sont les joueurs aussi que tu as envie de voir être reposés? Bah, j'ai cru comprendre que Kix, il avait pris un petit coup, il avait un petit truc à la cheville. Donc, bon, apparemment, c'est pas grand-chose. Mais est-ce que, du coup, ils vont pas le reposer? Je sais pas. Bon, à mon avis, il va tout faire pour jouer. Et s'il est en capacité. Oh, Kanto, il retrouve des couleurs, vraiment. C'est beau, c'est S'il est en beau. capacité de jouer, je pense qu'il jouera. Après, ça va beaucoup faire tourner derrière, aussi au milieu de terrain, j'ai l'impression. Ouais. Dans les compos probables, apparemment, devant, à part Coman à la place de Dembélé. Ça partait pour du Giroud, Grisou, Mbappé titulaire, mais sur le reste, ça a beaucoup tourné, avec notamment Camavinga, latéral gauche. On nous en parle depuis quelques temps, donc ben, ça va peut-être être l'occasion de le voir à l'œuvre et voir ce qu'il peut faire. Bon, il peut faire un match sérieux, Ouais. donc voilà. Et puis moi, je ne vais pas te mentir. Bon, apparemment, de toute façon, ce n'est pas parti pour être titulaire, mais j'aimerais bien voir un peu Randal Kolo Muani, parce que j'ai un petit affect pour lui. Donc voilà, je pense que les attaquants titulaires sortiront au bout d'une heure à peu près. Et donc, pourquoi pas le voir et pourquoi pas avec un petit but aussi. Ok, non, non, mais ça se tient. Je te vois très concentré, Scipion. Bah écoute, hein, y a pas d'originalité. Même question pour toi, à quel match tu t'attends demain? Ben écoute, quand on sait que tous les matchs, les troisièmes matchs de groupe de Didier Deschamps sont tous soldés par des matchs nuls, donc je m'attends pas à quelque chose de différent, honnêtement. C'est pour ça qu'on en parlera après pour le My Match. Mais moi, à mon avis, je vois bien la Tunisie avoir un petit peu de fierté, avoir un petit peu d'ego, et aller embêter l'équipe de France. Mais comme l'a dit Kanto, en termes d'effectifs, il n'y a pas photo. Et même quand tu fais tourner, ça doit tenir. Alors après, voilà, il y aura un petit peu de bricolage, Camavinga latéral gauche, tout ça. Mais à mon avis, je pense que c'est une équipe qui va gérer tranquillement la première place. Je pense que ça, on va avoir peut-être un match un peu de sénateur. Ok, les remplaçants vouloir se montrer, mais je vois bien la Tunisie quand même, voilà, faire beaucoup mieux que ce qu'elle nous a montré. Et voilà, je vois un match nul entre amis, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs que j'ai envie de voir. Je pense notamment au milieu de terrain, parce que c'est vrai qu'on les a pas beaucoup vus encore à la place de Tchouaméni Rabiot. Je pense aussi à Konaté qui va continuer, Pavard qui devrait normalement avoir de nouveau une chance. Alors peut-être contre une adversité faible, mais je pense que c'est bien aussi de le maintenir au moins en vie dans cette compétition et pas totalement l'écarter, parce que même s'il a pris un gros coup au moral.
On ne sait jamais s'il y a un pépin physique de Jules Koundé, un carton rouge, tu dois pouvoir compter sur Pavard, même si on n'est jamais satisfait de lui. Je pense qu'il faut quand même réussir à le challenger. Non, non, mais c'est exactement ça. Voilà le 11 probable hein, pour l'équipe de France demain avec une organisation assez similaire à un 4-2-3-1. C'est juste les joueurs qui vont changer. Peut-être Thuram titulaire, à voir aussi si Mbappé va être préservé ou non. Et puis le retour de Konaté en charnière, un match qui va aussi certainement faire du bien à Raphaël Varane, puisque voilà, l'équipe de France va certainement jouer un peu plus décomplexée. On verra ça demain. Scipion et Kanto, peut-être un petit mot très, très court, hein, parce que c'est vrai qu'on en a débattu hier avec Bruce et Zach. On n'a pas forcément eu votre avis. Le retour ou non de Karim Benzema en équipe de France, vous en pensez quoi? Du vent, de la poudre de perlimpinpin ou un réel sujet, Scipion? Bah, quand on voit d'où l'info vient, à savoir nos amis espagnols, qui ne sont pas non plus les plus fiables en la matière, je pense que cette histoire, c'était un peu... Je sais pas, une intox, je sais pas comment le prendre, parce que quand j'ai vu en plus Benzema qui arrive à la Réunion et on nous dit que dès jeudi, ouais, il doit reprendre l'entraînement avec le Real Madrid, c'est-à-dire que il fait 2 jours de vacances à la Réunion, je suis déjà allé là-bas, honnêtement, il va pas bien profiter, quoi. Donc qu'il profite du soleil, qu'il profite de l'océan Indien, ça va être très bien pour se ressourcer. Et je pense que même Deschamps, sa réaction, elle veut tout dire en conférence de presse, hein, honnêtement. Enfin, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'ils reviennent. Ça aurait été très beau, c'était inespéré, mais je pense que s'ils se sont tous mis d'accord, ouais, c'est qu'ils ne pouvaient pas être... Et même si tu vois, ils devaient revenir pour un quart de finale, il manquerait énormément de rythme parce qu'il aurait fait un mois sans jouer. Et en compétition internationale comme ça, même si on adore tous Benzema, l'avoir 20 minutes sans rythme, c'est pas génial. Donc écoutez, je pense que cette histoire, il faut la mettre de côté et se concentrer, ouais, sur le groupe qui est là. Ouais, c'est ce que Zach disait hier un petit peu, hein, c'est que oui, c'est vrai qu'il, même s'il revenait, il serait pas du tout à 100%. Quanto, est-ce qu'ils ont pas tenté de faire ça pour peut-être déstabiliser un peu le groupe France? Pendant un moment, je me suis demandé s'il y avait pas un petit coup d'intox derrière, ouais, tout ça, ou est-ce que pour la première fois de l'histoire du foot, est-ce qu'on n'annonçait pas un joueur blessé qui au final pouvait surgir de nulle part? Après hier, quand j'ai vu Saber Defarge annoncer que Benzema allait partir en vacances, je me suis dit que bon, à partir du moment où un mec part en vacances et qu'il est plus avec son staff médical, etc., pour être soigné de près, donc c'est vraiment mort. Alors je me suis demandé vraiment s'il n'y avait pas cet intox là, mais à hauteur peut-être, je sais pas, de 10-15%, tu vois, genre, ouais, pas un truc non plus crédible, mais ouais, la question m'a effleuré l'esprit. Mais non, là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Benzema, il est dans la liste encore. Pour quelle raison, j'en sais rien, mais on le reverra pas, on le verra pas sur les terrains, ça c'est une certitude. Donc voilà, si à la limite le mec restait à un domicile avec une reprise de l'entraînement un peu privée, avec des soins, etc., en relation directe avec l'équipe de France, bon. Je veux bien penser qu'on aurait pu avoir un scénario à la Spielberg avec un Benzema qui revient pour la première fois, mais là non, je crois pas du tout. Ouais, c'est peut-être pour déstabiliser, je sais pas. De toute façon, bah, quoi qu'il arrive, Benzema c'est Ballon d'Or, donc quand tu parles du Ballon d'Or, ça fait vendre, donc on peut en parler un petit peu à toutes les sauces, donc voilà, non, j'y crois pas du tout. Bon, en tout cas, oui, on est assez revenu là-dessus. Bruce, toi, ton avis n'a pas changé depuis hier. Parce que c'est vrai que l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être eu un truc qui s'est passé. Peut-être une ingérence du côté du staff des Bleus. Peut-être, comme l'a dit Kanto, de l'intox du côté espagnol. Toi, ça n'a pas bougé depuis hier? Pour moi, il ne s'est absolument rien passé. Benzema s'est mis d'accord avec Deschamps et le staff, comme quoi c'était trop compliqué et qu'il valait mieux stopper là. Et c'est tout. À partir du moment où tu quittes le Qatar, tu quittes l'équipe de France, ce n'est pas pour revenir. Je veux dire, il serait resté sur place. Et puis voilà, dès qu'il est parti, pour moi, c'était c'est fini. Ça. Il fallait tourner la page et c'est tout. Là, après, ça entretient l'espoir, ça entretient je ne sais pas quoi. J'ai l'impression aussi que c'est plus pour foutre la merde qu'autre chose. Peut-être parce que aussi la France fait très peur dans ce mondial. Donc, ça essaye un peu de foutre le bordel d'une manière ou d'une autre. Mais du côté de l'Espagne, mais sincèrement, moi, j'ai jamais cru à ce retour. Sinon, il n'aurait pas quitté le Qatar. Quoi. Donc, ouais. Ok, très bien. Merci, messieurs, pour vos avis sur ce point bleu. On va maintenant s'intéresser au match du jour. On va commencer par ce Équateur-Sénégal, bien entendu, parce que je suppose que c'est le match que vous aviez sur votre c'est écran surtout principal. Surtout le match qui t'intéresse, Bracou. Évidemment. On va pas se mentir, on va pas se mentir. Non mais je donnerai bien entendu mon avis, hein, sur ce que j'ai vu. Bruce garde la main justement. Qualification du Sénégal. Il y a eu aussi là un petit peu d'intox avec la présence ou non d'Ener Valencia. Finalement, il était là. Et puis cette équipe équatorienne qu'on
Ah, qui a moins bien fini en tout cas sa Coupe du Monde qu'elle ne l'a commencé. Qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation du Sénégal et aussi de l'Équateur? Est-ce que tu as senti vraiment que l'Équateur avait vraiment envie de se qualifier finalement? Bon, déjà, pour commencer, Valencia, je pense pas qu'il y avait de l'intox. Hein. C'est juste, c'est un match pour qualifier ton pays au tour suivant. Il était diminué, je pense, tu vois. Mais bon, il fallait qu'il soit là, donc ils ont tenté le coup. Je pense que c'est plus ça. Après, l'Équateur, j'avoue que j'ai été un peu déçu de ce dernier match. Je les ai trouvés mieux sur les deux matchs précédents. Après, c'est peut-être aussi en partie la faute au Sénégal qui leur a posé beaucoup de problèmes, mais je les ai vus pas mal en difficulté. À la fin, forcément, ils ont essayé de pousser, mais le Sénégal, eux, bah, ils essayaient de gérer justement ce score. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une qualif méritée pour le Sénégal. Donc, un peu déçu par l'Équateur sur ce dernier match, mais on va dire agréablement surpris par le Sénégal. Parce que c'est vrai que je n'avais pas été ultra convaincu aussi par leur début de Coupe du Monde. Il y a des choses pour moi où ce n'était pas parfait, notamment devant, etc. Et là, en tout cas, ils ont fait preuve de caractère, de mental. Ils prennent un but, c'est pas évident, parce que là, tu peux être dans un mauvais délire sur la fin de match et te dire que tu as peut-être laissé passer ta chance, tu vois, c'est très compliqué. Ouais. Et d'entrée, c'est dans la foulée, ça réagit. Et ce qui est beau pour le Sénégal et tout, c'est que c'est Koulibaly qui avait, si je dis pas de conneries, jamais marqué en sélection. C'est quand même assez dingue de marquer le but qui te qualifie pour le tour suivant, pour ton premier but avec le Sénégal, et surtout que c'est un but qui vient dans la foulée de l'autre but. Donc ça, c'est une réaction de taulier, et c'est ce qu'on aime. Et c'est mérité pour un joueur, je pense qu'on apprécie tous. Donc, donc voilà, belle victoire du Sénégal, qui j'ai trouvé, il y avait vraiment du mieux par rapport aux deux premiers matchs. Et donc maintenant, bah, hâte de voir ce que ça va faire au tour suivant, en sachant que bah, normalement, ça sera face à un gros morceau, Brack. mais évidemment. Sincèrement, si ça joue l'Angleterre, je ne te dis pas qu'ils partiront favoris, mais je pense vraiment que y a c'est la place. Couru d'avance et qu'il y a un coup à jouer contre cette équipe anglaise. Ouais. Ouais, non, complètement, je suis assez d'accord. Quanto, cette équipe du Sénégal aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé qu'elle était en progression par rapport au début de cette Coupe du Monde, sachant que ton premier match c'est contre les Pays-Bas et que c'était un match forcément contre un adversaire pas si abordable que ça. On s'est rendu compte que le Sénégal a quand même joué son jeu et a eu voilà, quelques opportunités, même si elle perd à la fin. Est-ce que tu as senti que le Sénégal, sur cette phase de poule, a montré un meilleur visage? Bah, elle a montré un meilleur visage, oui, sur ce match-là face à l'Équateur, parce que finalement, contre les Pays-Bas, on s'est dit que les Pays-Bas n'avaient pas fait un grand match, mais que c'était aussi sûrement dû au fait que les Pays-Bas défendaient bien, mais que le Sénégal avait eu un peu cette stérilité dans le jeu offensif. Face au Qatar, une victoire, mais on n'a pas été non plus ultra convaincus. Et puis bah, finalement, c'est pour ça qu'avant le match, on pensait que presque l'Équateur allait être au-dessus du Sénégal. Et puis pas du tout, en fait, le Sénégal a mis la pression d'entrée. On voit que quand ils arrivent plus impliqués dans un match et qu'ils n'hésitent pas à rentrer dans leurs adversaires, bah, forcément ça se passe de manière différente. Ils ont joué haut, ils ont été capables de garder le ballon assez haut sur le terrain. C'était un match satisfaisant du Sénégal qui, à mon sens, est monté en puissance au fil de la compétition. Après un premier match, pas mauvais, mais... où finalement ils n'ont pas été dangereux, un deuxième où ils font pas un super match mais ils en mettent quand même 3 au Qatar, et puis un troisième où ils arrivent à faire tomber l'Équateur avec la manière. C'est une équipe qui monte en puissance. Scipion, je te le demande à toi aussi, ce Sénégal là maintenant, parce que là tu passes la poule, la question c'est maintenant de se projeter. Est-ce que par rapport à ce que tu as vu dans cette phase de poule du Sénégal, est-ce que pour toi il y a la possibilité de faire quelque chose d'intéressant? Honnêtement, oui, je pense que si c'est vraiment l'Angleterre, faudra qu'ils aient en fait les mêmes intentions de jeu, parce que je trouve que Ismaïla Assar et surtout Ilman Ndiaye, qui est une belle découverte pour moi, parce que je l'avais vu jouer de temps en temps avec Sheffield United, mais je pensais pas qu'au niveau Coupe du Monde, il allait répondre présent. Honnêtement, je pense qu'il va avoir sa chance contre l'Angleterre, donc c'est super. Après, on sait que Boulaïdia, voilà, par exemple, la première action qu'il rate, tu vois, c'est ce qui lui manque. Hein. On sait, à ce niveau international, ça ne pardonne pas. Attention aussi à l'absence d'Idrissa Gueye, qui a pris un deuxième carton jaune. Ouais, bah oui, il ne sera pas là, du coup. Exactement. Donc, voilà, mais tu as retrouvé Edouard Mendy, quand même, hein, qui, voilà, après ses débuts très compliqués contre les Pays-Bas, voilà, retrouve de belles couleurs. Donc, ça fait plaisir. On a Koulibaly, bah, voilà, avec ce but qui porte son équipe, le capitaine qui répond présent, ça fait forcément plaisir. Et honnêtement, je pense que cette équipe, elle peut aller embêter l'Angleterre. Ouais. Je pense qu'honnêtement, il y a la place.
pour mener un joli combat. J'ai regardé les stats et je pensais pas qu'ils avaient raté autant de passes parce que 66% ou 68% de passes réussies, c'est quand même très peu. Donc attention à gérer ça quand même, à pas trop faire les feux follets. Même si franchement, ils ont réussi à emballer ce match de très bonne manière et honnêtement, la victoire est largement méritée, tout comme la qualification. À Aliou Cissé, voilà, de bien reposer tout ça. On a sorti une grande joie, une grande célébration, et ça, faut célébrer parce que, évidemment, 20 ans après, c'est historique pour le Sénégal. Mais honnêtement, je pense qu'il y a la place pour faire un petit exploit contre l'Angleterre. Ouais. Ouais, non, non, c'est ça. C'est en se projetant, on a l'impression que le Sénégal s'est un petit peu retrouvé. Parce que c'est vrai que je reviens beaucoup sur ce premier match parce qu'il a montré énormément de lacunes de cette équipe. Il a montré en même temps quel était le cœur de cette équipe. C'est une équipe qui va quand même pas mal de l'avant. C'est une équipe qui propose. Mais c'est vrai qu'on avait vu que dans les derniers mètres, à la finition, c'était très compliqué, que ça manquait beaucoup de créativité. Et au fil de cette poule, plus la poule avançait, plus je trouvais qu'on retrouvait un peu voilà, cet aspect qui manquait cruellement au Sénégal. Je pense que le match contre le Qatar a fait énormément de bien. Et ce qui est cool aussi, et ça vous l'avez un petit peu dit en catimini, c'est le retour des leaders quelque part. On a retrouvé voilà, un Koulibaly qui n'était pas forcément, qui n'avait pas cette taille patron dans ce début de Coupe du Monde. Là, clairement, sur ce match-là, on l'a vu, il est de retour, il est bien présent. Édouard Mendy, qui a mal commencé, a été beaucoup mieux sur ce match-là. Gueye, comme tu l'as dit, c'est un peu dommage parce que voilà, c'est quand même un joueur important dans les matchs, vu que c'est un mec qui va apporter beaucoup d'équilibre, c'est un mec qui va redoubler les courses. Et ça, ça faisait plaisir de le voir. De le voir de retour comme ça lui aussi. Maintenant, le souci, ça va être aussi devant. Ça, je pense que ça risque d'être compliqué contre l'Angleterre parce que de l'autre côté, l'Angleterre, tu vas avoir une équipe, si jamais c'est l'Angleterre que le Sénégal affronte, bien sûr, tu vas avoir une équipe qui, dès qu'elle va avoir une occasion, forcément, il lui en faudra pas beaucoup. Et le Sénégal, comme une expression que Bruce aime beaucoup, c'est que voilà, c'est le genre d'équipe où il leur en faut 2, 3, 4 ou 5 avant que ça vienne. Et ça me fait un petit peu peur. Boulaye Dia, c'est pas non plus, c'est pas Robert Lewandowski, c'est pas Erling Haaland. J'ai bien aimé le match d'Ismaïla Sarr parce que aujourd'hui, voilà, le mec a pris ses responsabilités, il a été très en vue, il obtient le penalty. Donc j'étais content et il pour assume. Ça. Il a vraiment assumé. Il est parti avec le petit Liman Ndiaye là qui a essayé de lui retirer un petit peu de pression. Non non, j'ai beaucoup aimé en fait parce qu'on a retrouvé du leadership dans cette équipe. Maintenant, je pense qu'il faudra encore plus. Il faudra encore plus contre l'Angleterre. Ça risque d'être difficile parce que oui, voilà, tu vas encore une fois affronter une équipe. T'auras qui a pas beaucoup d'occasions en toi, plus. Quoi. Tu sais déjà que tu n'auras pas beaucoup de situations. Et comme tu l'as dit, pour le moment, c'est là aussi où par moment ça peut pêcher, justement, dans le dernier geste. Donc, il faudra être clutch, quoi. Et comme l'a dit Scipio aussi, il faudra aussi, dans l'utilisation du ballon, faire encore mieux. Parce que sinon, tu risques de te faire punir. On sait qu'il y a des joueurs qui peuvent se projeter aussi assez rapidement, qui peuvent profiter des erreurs côté anglais, parce qu'ils attendent que ça. Donc, oui, de toute façon, il faudra faire tout en mieux s'ils veulent avoir une chance. Après, bah, on l'a dit, ils montent un peu en puissance. Donc, pourquoi pas, hein. Puis, on sent que équipe d'Angleterre, c'est pas non plus, ils seront au-dessus, normalement ils devraient se qualifier, mais c'est pas non plus infranchissable et imbattable, donc pourquoi pas. Non, et puis l'autre truc que je voulais ajouter aussi, c'est ce qui avait fait, je pense, la force du Sénégal pendant la CAN, c'est cette solidité en fait, parce que c'est vrai que ça avait été beaucoup grâce à ça que le Sénégal était allé au bout. On dit souvent que dans les grandes compétitions, voilà, il faut aussi savoir bien défendre, savoir être très en place, avoir une équipe très costaud. Et j'ai l'impression de l'avoir un petit peu revu sur ce match-là aujourd'hui contre l'Équateur. Alors la pression d'une CAN et la pression d'une Coupe du Monde, ça n'a rien à voir. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui pourra te permettre, au moins dans le match contre celui que tu affronteras en huitième, bah, d'y croire un peu plus et de te dire, voilà, on est au moins moins fébrile là-dessus. Et derrière, bah écoute, hein, un coup de pied arrêté, un penalty, voilà, hein, sur un rien, tu peux faire basculer une rencontre. Donc bon, faudra vraiment jouer ses coups à fond et avoir la réussite au bon moment. Mais en tout cas, oui, j'avoue que j'étais très 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 content. Je suis désolé, les gars, j'ai beaucoup parlé, pas plus. Bah, que c'est ton équipe, tu peux, hein. Okay. Oh, t'inquiète. Mais forcément, avec le Sénégal, voilà, c'est. Il y a un peu plus d'émotion que d'habitude. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur ce match? Peut-être un petit mot, Bruce, sur l'Équateur. Je sais qu'on en a un peu parlé, mais l'Équateur qui, comme l'a dit Kanto, a un peu déçu, encore une fois. Bah ouais, moi j'avoue, et c'est pour ça que moi j'avais mis match nul, et du coup je voyais peut-être l'Équateur se qualifier, parce qu'il m'avait fait meilleure impression que le Sénégal sur les deux premiers matchs.
Et au final, je ne sais pas s'ils sont passés à côté un peu d'eux-mêmes ou est-ce que c'est la photo Sénégal, peut-être un peu des deux, mais en tout cas, je les ai trouvés moins bien. Mais après, ouais. C'est tranquille, tu vois, c'est le Sénégal qui les a aussi peut-être fait déjouer, qui leur a posé beaucoup de problèmes, qui les a empêchés de jouer comme ils avaient su bien le faire lors des deux premiers matchs. Donc voilà, honnêtement, c'est ce que j'avais dit avant cette rencontre. Ce qui est bien, c'est que c'est une finale. Moi, je voyais l'Équateur un peu au-dessus au vu des deux premiers matchs. Mais si le Sénégal méritait d'aller au tour suivant, fallait battre l'Équateur. Et ouais. C'est ce qu'ils ont su faire avec la manière, j'ai envie de te dire. Donc voilà, c'est mérité. Tu vois, c'est pas comme si l'Équateur avait été au-dessus, donc c'est mérité. Et puis voilà. Mais un peu déçu, j'avoue, quand même, de l'Équateur sur ce troisième match. Parce qu'honnêtement, il m'avait pas bluffé, mais il m'avait un peu surpris dans le bon sens un peu plus tôt. Ouais, ils avaient fait une belle entrée. Kanto, tu m'as appelé ? Non, du tout. Non, je te voyais agiter les mains, donc je me suis dit. Ok, très bien. Ah, bon, on va continuer. Et pour le coup, Braque, juste oui. Quand même pour boucler le truc, même oui. Si moi j'avais dit que le Sénégal m'avait pas impressionné de ouf pendant la CAN, mine de rien, tu gagnes la CAN et dans la foulée, tu te qualifies en huitième de finale de Coupe du Monde. C'est une belle progression. Avec beaucoup d'absents quand même, on va pas se mentir, ils ont perdu quelques joueurs et c'est pas des petits joueurs. Donc, j'ai envie de te dire que ça va leur enlever aussi peut-être pas mal de pression. Il y aura beaucoup ouais. de pression sur l'Angleterre si c'est eux qui jouent en huitième de finale parce que l'Angleterre n'aura pas le droit à l'erreur, ce sera les archi-favoris. Le Sénégal, quoi qu'il arrive, il y aura déjà un parcours qui est quand même sympa parce que passer les poules, je pense que c'était déjà l'objectif premier pour eux. Mm-hmm. Et maintenant, ils s'offrent un huitième de finale contre potentiellement l'Angleterre et c'est eux qui ont tout à gagner et exactement. L'Angleterre qui aura tout à perdre. Donc, ils seront dans peut-être la bonne position. C'est pour ça que le match n'est peut-être pas si déséquilibré qu'on le pense au premier abord. Ouais, dans la bonne position, avec en plus des armes pour le faire potentiellement. Donc, non, c'est vrai que, comme tu le dis, hein, là, y a tout à faire en fait. Hein. L'histoire, ouais. c'est à toi de l'écrire. En tout cas, bravo encore une fois au Sénégal. Avançons les gars, parce qu'on a encore d'autres choses derrière. Alors, j'imagine que vous aviez tous peut-être ce Pays-Bas Qatar en double écran, juste histoire ouais. de savoir ce qui se passait dans ce match-là. Kanto, les Pays-Bas qui se qualifient. Alors, on l'a dit, ils ont joué un petit peu, voilà, avec un rythme assez tranquillou, hein, finalement, cette phase de poule. Hein. On n'a pas eu l'impression qu'ils ont eu beaucoup à lutter, les Néerlandais, puis ils se qualifient. Et puis, on a la révélation, enfin, l'explosion de Cody La Gakpo. Confirmation. La confirmation, ouais, de Cody Gakpo, qui est en train de monter bien plus qu'en puissance dans cette Coupe du Monde. Ouais, ouais, bah écoute, c'est ça. Hein. Les Pays-Bas étaient archi favoris. Ils ont su faire la diff grâce à Gakpo qui allait un petit peu tout seul. Et comme souvent, il vient lancer un petit peu le match de cette équipe des Pays-Bas. On le voit, 92% de passes réussies. Il n'y a pas eu une pression monstre non plus mise du côté des Qataris. C'est un match sur lequel je sais pas trop s'il y a besoin de rester Milan. En tout cas, le Pays-Bas ouais, était devant sur le papier. Ils ont assumé leur statut, ils ont gagné, ils ont sécurisé la première place. Le Qatar avait quand même évidemment à cœur de faire une bonne prestation face à une grande équipe, surtout face à leur public et dans leur dernier match de Coupe du Monde à domicile. Bon, c'est un petit peu sick pour le Qatar de terminer la Coupe du Monde avec 0 points. Mais non, les Pays-Bas ont fait. Ils n'ont pas mis un but en plus, le Qatar, je crois. Contre le Sénégal. Si, contre le Sénégal, il y a eu un petit. Si. Ah si, je suis con, ouais, si, ils en ont mis un. Mais oui, les Pays-Bas ont joué un match rythme tranquille, sans trop forcer, sans avoir besoin de génie pour créer des occasions. Donc voilà, mission accomplie, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce match-là, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est pas excitant. Peut-être projetons-nous un peu plus sur... sur la suite pour les Pays-Bas, parce que comme on le dit, c'est vrai que ils n'ont pas montré non plus grand chose. Enfin, c'est mon sentiment. J'ai pas eu l'impression qu'on a vu une équipe extravagante, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu voir des Pays-Bas par le passé. Scipion, est-ce que cette équipe peut se placer dans les favoris de cette Coupe du Monde, ou est-ce que finalement elle va arriver quand même comme un outsider plutôt? Non, je les mets quand même toujours outsider, parce que même s'ils terminent en tête de ce groupe, et c'était attendu, au moins la hiérarchie est respectée, mais je trouve que dans la production du jeu, c'était assez décevant. Ok, contre le Sénégal, c'était supérieur, mais c'était pas non plus fantastique. Et honnêtement, contre l'Équateur, à part le but de Gakpo, ils ont énormément subi, et avec beaucoup de cadres en difficulté, notamment Van Dijk. Donc rien n'est joué pour eux. Voilà, le Qatar, c'était à faire valoir. Mais voilà, tu vois, tu peux te retrouver contre Iran, États-Unis, Pays de Galles, à 8e à ta portée. Et
ce sera pas simple parce que ce sera un piège pour eux, mais voilà, les Pays-Bas partiront encore favoris, et tu peux te retrouver en quart de finale sans faire grand bris, donc déjà pour eux, c'est quelque chose, et voilà, moi je tire quand même mon coup de chapeau à Van Gaal, qui même s'il y a des choix toujours hasardeux, à chaque fois qu'il a la tête de cette équipe, au moins il a des résultats, au moins il réussit à les amener et tout. Alors c'est peut-être pas tout le temps parfait, notamment sur la production du jeu. Et même tout à l'heure, je trouve que la compo, ah, il aurait peut-être pu mettre un attaquant de plus, quoi, se lâcher, ouais. Se lâcher, quoi, parce que là, le Qatar c'était tellement faible, tu vois, à mettre un Bergwijn avec Gakpo et Depay, ou voir un Weghorst qui tourne avec les deux qui tournent autour de lui. Ouais, c'était autre chose, quoi. Ouais, honnêtement, ils m'ont pas fait une impression folle, mais voilà, c'est le genre d'équipe, tu sais, t'en parles jamais trop, et on se souvient de 2014, Van Gaal, comment il avait préparé ses matchs jusqu'à la demi-finale, avec la spécificité des tirs au but. Alors, je sais pas s'il nous refera des dingueries en faisant entrer Tim Krul à 119e minute, ouais. Mais en tout cas, moi, au moins, je suis pas conquis par cette équipe au niveau du jeu, elle me fait pas grandement plaisir, mais au moins, je dis juste à ce coach respect pour ce qu'il montre en termes de résultats, quoi. Ouais, mais c'est un coach d'expérience. Est-ce que tu as le même ressenti, toi, Bruce ? Ouais, bah c'est sûr que les Pays-Bas, en général, c'est toujours une équipe qui déroule en poule ou très souvent, tu vois, une équipe très joueuse qui propose du jeu, on sait qu'ils peuvent foncer les occasions, mais ils vont marquer des buts, etc. Là, j'ai envie de te dire, c'est une équipe des Pays-Bas qu'on a rarement vue. On a ce sentiment, pas qu'elle est faible, mais c'est vrai que tu as l'impression que ça manque un peu de créativité. Dans le jeu, c'est pas ça. Là, heureusement qu'ils ont Gakpo qui leur fait énormément de bien, parce que dans cette poule, si tu enlèves Gakpo des Pays-Bas, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc voilà, moi honnêtement, j'attends de voir qui passera ce soir entre l'Iran et les États-Unis. C'est les États-Unis. Moi, je pense que les États-Unis ont un vrai bon coup à jouer contre cette équipe des Pays-Bas, par exemple. Ouais. Au vu de ce qu'ils ont montré, où, bon, ils ne sont peut-être pas capables de le faire tout le match, mais ils sont capables de mettre beaucoup de rythme, de se projeter pas mal. Et on sent qu'ils peuvent être en difficulté assez facilement sur ça, les Pays-Bas. Donc, honnêtement, s'ils jouent les États-Unis, OK, pour eux, ça sera jouable et ils seront favoris, mais je pense que ça sera loin d'être gagné, en tout cas. Après, je pense qu'il faut toujours se méfier de ces équipes-là avec ce rythme un peu latent où tu te dis, bon, ils n'ont pas forcément... Ils n'ont pas besoin de forcer, ils se qualifient quand même. Et après, derrière, tu as le parcours qui peut faire que sur un... Voilà, sur un bon alignement de planète, tu te retrouves voilà, en quart, en demi, et t'avances sans être exceptionnel, mais t'avances. Ouais, et du coup, c'est peut-être une année où bah, ils peuvent nous faire une petite surprise, les Pays-Bas, pourquoi pas. On continuera de suivre ça, bien sûr. Alors, on parlera du groupe B tout à l'heure. On va terminer l'émission avec ça. On va avoir quand même des matchs qui vont se jouer ce soir. Mais juste avant, je voulais qu'on revienne, messieurs, sur ce Portugal-Uruguay. On a la chance de pouvoir en parler. C'était un match quand même assez important. Et puis, c'était aussi voilà, le remake du huitième de finale de 2018. Donc, il y avait forcément une petite histoire dans ce match-là. Quanto, je sais que les Portugais, tu les regardes quand même pas mal à la loupe, parce que c'est vrai que c'est une équipe assez, assez intrigante. Il y a beaucoup, beaucoup de qualité. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe et on le sait aussi. Il y a un coach qui peut-être ne sait pas vraiment bien les faire jouer, ces Portugais. Et pourtant, la victoire est là au bout hier, 2-0. Ouais, mais pour le Portugal, c'est encore une fois un bon résultat. Mine de rien, sur le bilan comptable, c'est deux matchs de victoire. Donc, les voilà qui vont pouvoir avancer dans la compétition. Après Ronaldo, qui est le leader de cette équipe, a encore marqué. Donc, c'est aussi. Ouais. C'est aussi une bonne chose. Bruno a marqué, mais il était sur l'occasion. Bah, c'est vrai que ça a quand même aidé. Mais non, écoute, l'Uruguay, déjà avant la Coupe du Monde, on les considérait tous comme une équipe à prendre très au sérieux. Ouais. Le problème étant qu'ils ont montré de sacrées limites dans le premier match face à la Corée du Sud et ils en ont encore montré dans ce match face au Portugal. Le Portugal, non, n'est pas flamboyant, n'est pas rayonnant. On le voit dans le jeu, les situations se débloquent encore tardivement, il n'y a pas une pléiade d'occasion. Maintenant voilà, ils sont arrivés à exploiter hier grâce au génie notamment de Bruno. Léao, quand il rentre, bon, on se demande encore à chaque fois ce qu'il fait sur le banc, même si le fait qu'il rentre un petit peu plus tardivement, ça lui laisse un peu plus d'espace et l'occasion de pouvoir affronter des joueurs en face qui sont peut-être avec moins de lucidité, moins de coffre physique. Mais non, cette équipe portugaise, écoute, même si dans la manière de jouer, c'est pas toujours radieux, on voit quand même une équipe qui fait 6 sur 6, donc c'est une belle chose. Donc, écoute, il va falloir les garder à l'œil parce que les Portugais, malgré tout, je pense que ça va pas être une équipe agréable à prendre en sortie de poule. Pas du tout, ouais.
Il faut faire ultra attention aux Portugais. Cyprien, tu disais. Non, non, franchement, oui, maintenant qu'ils sont lancés, en fait, ils ont passé ce petit complexe de finalement, on sait qu'on est une équipe avec une réputation qui déçoit par rapport aux sélectionneurs, qui est un peu ennuyeuse, et je trouve que même si tout n'est pas flambant dans le jeu, c'est quand même bien structuré. Ça, pas de souci, Fernando Santos, l'ingénieur de son surnom, il a mis en place un 11 assez compact, et en même temps, sur les sorties de ballon, c'est vrai que quand tu as Bruno, Bernardo, João Félix, bah c'est facile, hein, tu es plutôt à l'aise. Et dans un même temps, tu sais que au milieu de terrain, enfin, tu vois, quand je vois à chaque fois João Palhinha qui fait de très bonnes entrées, William Carvalho qui est un joueur un peu sous-coté, tu as vraiment de la matière à chaque secteur. Donc, moi, je trouve que déjà dans ce groupe H, qui était vraiment pas évident, tu vas peut-être sortir en tête avec pourquoi pas 9 points. Donc, franchement, chapeau. Et tu l'as dit, ouais, franchement, s'ils se projettent sur la suite, et même, tu vois, enfin. Danilo Pereira se blesse, t'as Pep qui rentre et qui fait un match de De patron, patron, quoi. de patron, Ah, ouais. franchement, à 39 ans, on est obligé aussi de souligner ça quand il y a des joueurs matures, expérimentés qui réussissent à ce niveau international, c'est fort. Ça m'embête un petit peu la petite blessure de Nuno Mendes, forcément. Ouais. J'aime beaucoup Rafael Guerreiro, mais c'est une équipe, voilà, quand il y a Leao sur le banc, t'as quand même Nuno Mendes, tu peux compter sur lui, tu vois, pour avoir cette explosivité. Il y a une action avant qu'il se pète, où il a 5 mètres de retard sur Godin et il finit 2 mètres devant lui. Donc, tu vois, t'as besoin, je pense, de ce type de joueur. J'ai l'impression que Santos va quand même continuer avec ce système où Leao sera l'entrant décisif à 20-25 minutes de la fin. Écoute, je suis pas totalement convaincu, je pense que Leao, même s'il fait pas une entrée excellente, il a quand même besoin de ce type de joueur. Écoute, on va voir, mais pour l'instant, ses compos, on va dire, ça lui donne raison. Donc, ouais, pas simple à prendre le Portugal, hein. Ouais, c'est souvent ça en vérité. Hein. Santos, mine de rien, il est beaucoup critiqué, mais quelque part, il a l'air de quand même plutôt bien tenir son groupe. Bruce, est-ce qu'on peut parler aussi un peu de l'Uruguay quand même? Parce que bon, l'Uruguay n'est pas encore techniquement éliminé de cette Coupe du Monde. Mais est-ce qu'il manque pas quelque chose dans cette équipe? On sait qu'il y a quand même quelques cadres un petit peu vieillissants. L'équipe a quand même été régénérée. Il y a l'avènement, voilà, des Núñez, des Valverde, enfin de plein de joueurs comme ça, même d'un Bettencourt, hein, qui fait une très très belle saison. Est-ce qu'il manque pas quelque chose finalement quand même à cet Uruguay au niveau du jeu ou au niveau d'autres choses? Je sais pas. Bah aussi peut-être un peu de réussite, parce qu'on se souvient, même Ouais. s'ils n'ont pas été extraordinaires contre la Corée, mine de rien, je crois qu'ils touchent deux fois les poteaux, Valverde et Godin, tu vois, avec un peu de réussite, ils auraient gagné ce C'est match-là. vrai. Ils ont l'occasion où ils tapent le poteau pour revenir quand ils poussent, et c'est là où j'ai une petite réserve quand même sur le Portugal, parce que dès que l'Uruguay s'est livré un peu plus, j'ai trouvé le Portugal vraiment en galère. À un moment donné, tu vois, sur une période où ils étaient un peu plus en difficulté défensivement, je les trouve pas irréprochables, notamment peut-être Ruben Dias, où d'habitude c'est un super défenseur. On l'a vu même Bentancur quand il en est phase 2, où il fait son rush, où lui pour le coup est dans une forme incroyable. Je trouve que tu peux quand même les bousculer un peu, cette équipe du Portugal, même si pour moi ils ont tout pour possiblement aller au bout, mais je trouve que c'est pas non plus la perfection. Et l'Uruguay, ouais, bah peut-être ils auraient dû jouer, notamment contre le Portugal, un peu plus tôt, quoi. Après, on va pas se mentir, ils se satisfaisaient du match nul, ça leur allait très bien, je pense. Et à un moment donné, à ce petit jeu-là, tu te fais cueillir. Donc voilà, mais après, quand ils sont sortis un peu plus et qu'il y a eu des changements, que ça jouait plus offensif, quand même, je les ai trouvés plus menaçants, plus percutants. Donc c'est comme d'hab, bah, tu te dis, c'est des fois comme quand tu vois l'Atlético, tu sais qu'ils sont capables un peu de le faire, même s'ils aiment avant tout bétonner, tu te dis pourquoi ne pas le faire avant. Donc forcément. C'est à double tranchant et t'as un peu de regret à ce niveau-là pour eux, mais oui, bon, c'est pas complètement terminé, on va voir. Mais en tout cas, il y a quand même des joueurs et ils vont peut-être s'en sortir. Messieurs, pour conclure, l'Uruguay a montré quand même, enfin pardon, l'Uruguay va affronter le Ghana pour son dernier match et le Ghana a quand même montré, voilà, qu'il savait résister, qu'il savait jouer solide. Est-ce que pour vous, l'Uruguay peut trépasser dans cette Coupe du Monde? Est-ce que ça va mal se passer pour eux? Je commence par toi, Scipion. Oui, totalement, totalement. Honnêtement, ce match qui sera un 16e de finale avant l'heure, le contexte de 2010, la main de Suarez, vous apprend pas. En plus, ça peut être pourquoi pas le dernier match international de Luis Suarez. Enfin, le mec qui écrit les scénarios de la Coupe du Monde, il est très très fort de ce point de vue-là. Et honnêtement, il y a quelque chose. Je pense que Mohamed Kudus, Iñaki Williams, les frères Ayew et tout, c'est des joueurs qui sont à la fois bons sur coup de pied arrêté et qui en plus ont une sacrée mobilité. Et honnêtement, par rapport à cette défense uruguayenne, alors oui, il y a de la densité, il y a de la taille, mais honnêtement, ils ont les profils pour les gêner, pour les perturber. Et en plus, cette victoire contre la Corée du Sud avec un scénario un peu ouf,
ça leur a donné vraiment des ailes. Alors, j'ai trouvé que la performance ghanéenne était loin d'être parfaite, notamment sur le plan défensif. Les 10 dernières minutes, ils ont subi comme jamais, mais ça a tenu. Donc, défensivement, il y a quand même, tu vois, des valeurs. C'est quand même une équipe qui peut aller au bout des choses. Maintenant, je pense que l'Uruguay, ouais, va devoir attaquer, va devoir se découvrir. Et si Kudus et Iñaki Williams s'en profitent en compte, ça peut faire des dégâts. Mais je trouve que c'est le scénario parfait de ce match, parce que l'Uruguay est obligé d'aller gagner. Et par exemple, c'est des joueurs qu'on n'a pas du tout vu encore dans cette Coupe du Monde. Je pense à Valverde, qui était dans une forme étincelante avec le Real, à Darwin, qui sortait d'un très bon mois avec Liverpool. C'est frustrant de ne pas les avoir vus encore dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, ouais. j'ai hâte que ça se découvre un petit peu du côté uruguayen. Comme l'a dit Bruce, je pense qu'à partir du moment où le Portugal a mené 1-0, il y a eu 15-20 minutes qui étaient plutôt intéressantes, la frappe sur le poteau de Maxi Gomez, tout ça. Honnêtement, faut continuer dans ce sens, parce que sinon, c'est la porte, quoi. Ah bah c'est sûr, ça c'est certain. Quant aux mêmes questions. L'Uruguay jusqu'ici ne m'a pas inspiré la plus grande des confiances, ce qui veut dire pour moi que, pour répondre à ta question, est-ce qu'ils peuvent trépasser contre le Ghana ? Oui, ils peuvent très bien tomber, tout comme ils peuvent très bien remporter le match face aux Ghanéens. Ça va dépendre du visage qu'ils vont montrer, l'intensité qu'ils vont montrer, et surtout en sachant que c'est un dernier match et qu'ils vont être un petit peu au pied du mur, est-ce qu'ils vont être capables de se dépasser et enfin de montrer leur vrai football ? Bruce l'a dit aussi, il y a le facteur réussite, est-ce qu'il va être de leur côté ? Parce que c'est vrai que face à la Corée, ils peuvent aussi l'emporter. Non, c'est un match qui va être plaisant à suivre. Je pense que malgré tout, les Uruguayens vont partir peut-être un petit peu favori face aux Ghanéens, puisqu'il y a quand même plus d'équilibre dans cette équipe-là. Après, c'est offensivement. Est-ce qu'ils vont être capables de créer quelque chose pour arriver à déborder les Ghanéens tout en gardant une assise défensive importante ? Je sais pas. J'ai pas encore la réponse. Moi, je vois malgré tout l'Uruguay faire un résultat contre le Ghana. Est-ce que ça peut être un faux pas de leur part? Oui, tout à fait. C'est une des équipes depuis le début de la Coupe du Monde où on sait qu'elle a de la qualité, donc on n'a jamais envie de les enterrer. Mais de ce qu'on voit, on n'est pas non plus fan. Donc, on espère voir un Uruguay enfin à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'eux. Ok. Bon, Bruce, pour conclure, du coup, toi, l'Uruguay, tu les vois passer quand même? Moi, je donne un petit avantage, un léger avantage à l'Uruguay, mais léger, ouais. Quoi, parce qu'on a compris que le Ghana, c'était tout le temps des matchs fous et qu'ils étaient capables de faire des choses assez folles et ouais, de rendre ce match complètement dingue. Donc voilà, mais j'ai envie de te dire, le petit côté peut-être expérience vice de l'Uruguay, même si ça n'a pas trop payé sur les deux premiers matchs, je veux dire, je ne les vois pas non plus, c'est ne pas douiller à un moment donné ou que ça passe pour eux, tu vois ce que je veux dire. Donc, je me dis, peut-être ça va encore tomber contre le Ghana, malheureusement, parce qu'on se souvient, comme l'a dit Scipion, la fameuse main de Suarez. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir un petit truc encore sur un fait de jeu ou, je sais pas, ça sent forcément une douille d'un côté ou de l'autre, soit le karma qui va rééquilibrer les choses, ou soit encore l'Uruguay qui va s'en sortir comme ça. Mais je sens que on va en parler encore de ce match, ça va se jouer sur un petit truc chelou, c'est sûr. Ah, en tout cas, si l'Uruguay veut passer, ils vont avoir fort à faire et ils vont devoir absolument contrôler ce match. Hein, parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que le Ghana, ils savent résister, mais en contre, ça peut aller aussi très très vite. Donc ça va être à eux de contrôler ce dernier match. Ok, messieurs, et on juste, avance. Ouais, Ben oui, Tancourt, oui. Incroyable. Non, juste pour remettre un peu la je le disais sur lui. Tout à l'heure. Franchement, Ben Tancourt, par contre, c'est ouf. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a des jambes? Qu'est-ce qu'il a des jambes? C'est la percée qu'il fait. C'est dommage pour lui que ça ne soit pas récompensé par le but. Parce que lui, tu le sens, il est facile en ce moment. On le voyait déjà avec Tottenham où il était sur une grosse dynamique. Il est tellement facile. Franchement, impressionnant, moi, je trouve. Non, c'est une certitude. Merci, messieurs, pour ce débrief de Portugal-Uruguay. On va passer maintenant à cette preview du groupe B. Donc, le groupe qui va jouer ce soir. Rendez-vous à 20h, bien sûr. On se doute que ce pays de Galles-Angleterre a peut-être un peu moins d'intérêt que ce Iran-États-Unis, puisque c'est vraiment le match qui va cristalliser toutes les attentions ce soir. On a un supporter iranien qui va venir parler avec nous. Il suit son équipe depuis très 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 longtemps, donc il va nous en parler un petit peu. Juste avant, on commence avec toi, Bruce, de ce que tu as vu entre les États-Unis et l'Iran. Quelle équipe semble la mieux armée pour ce match ?
Bah, si tu prends l'ensemble des deux matchs, les États-Unis ont fait peut-être un peu meilleure impression. Après, c'est vrai qu'on était resté bah, sur la large victoire de l'Angleterre contre l'Iran, mais on savait qu'il ne fallait pas forcément s'arrêter pour ça. Il y a des équipes qui ont très mal commencé sur le premier match. Bon, on l'a vu avec le Costa Rica, eux qui, pour le coup, ont eu pas mal de réussite, mais tu vois, le deuxième match, ça peut rien avoir, ça peut être complètement différent. Donc, moi, j'ai envie de te dire quand même que les États-Unis m'ont agréablement surpris. On sait que ça progresse depuis quelques temps, mais contre l'Angleterre, honnêtement, on était plus ou moins tous pour eux parce qu'ils proposaient davantage que l'Angleterre, où eux, c'était très pauvre dans le jeu, etc. Ouais. Et on avait vu une super première mi-temps aussi contre le Pays de Galles, où ils auraient pu tuer ce match et mettre ce deuxième but. Donc, j'aime bien pour le moment, on va dire, les États-Unis avec notamment ce milieu de terrain qui fonctionne très bien, Pulisic qui est très bon aussi. Mais après, on a vu que l'Iran avait su faire un deuxième match bien meilleur. Et donc, c'est relancé complètement. Et c'est vrai que ça nous promet un match complètement fou qui est dur à lire, même si, bon, au vu de la poule, je donnerais un léger avantage quand même aux États-Unis. Et accueillons notre supporter donc iranien qui est là avec nous. Il s'appelle Arya. Arya, est-ce que tu nous entends bien? À tous, on m'entend? Salut, Oui, on salut, salut tout le t'entend. monde, salut Aria. Bonsoir le chat. Bienvenue à toi Salut. dans Hors-jeu. Comme tu nous le Merci. disais, un petit peu en préambule, match extrêmement décisif ce soir. Vous avez pour l'instant 3 points, donc vous êtes plutôt en bonne posture. Mais les Américains sont juste derrière vous. Toi, tu nous racontais que tu suivais cette équipe depuis un petit moment. On sait qu'il y a un contexte politique qui entoure cette équipe depuis un petit moment aussi. Mais bon, c'est pas exactement de ça dont on va parler. Plutôt sur le football, sur le jeu. Est-ce que tu penses que cette équipe, elle a les qualités pour s'imposer ce soir? Bah, honnêtement, vu l'effectif, c'est l'année ou jamais pour revenir un peu sur l'équipe de l'Iran. Donc, ça fait notre troisième participation consécutive. Ouais. Et on sent qu'il y a une progression, même au niveau des joueurs qui s'exportent mieux. Donc là, c'est vraiment l'année ou jamais, surtout qu'en vrai, quand on regarde notre doublette offensive avec Taremi et Osmoun, peut-être une des meilleures en Asie. Mais oui, c'est vraiment l'année ou jamais. On revient de loin, surtout après un premier match catastrophique. Bon, on va pas parler du contexte politique qui a sûrement joué en notre défaveur. Mais non, on revient de loin. Et vu le match du Pays de Galles, c'est vraiment le match de notre histoire, le match du siècle. Moi, je ne tiens plus en place là pour l'instant. Normal, Non, c'est mais oui. complètement Donc, ouais, vraiment une équipe. Là, pour l'instant, c'est vraiment l'année où jamais on a des joueurs. Bon, on n'a pas les meilleurs, on n'a pas des joueurs, des top players, comme même des sélections africaines comme le Sénégal, même la Tunisie, le Maroc. Mais on s'en sort. On a des joueurs qui ont un peu une expérience un peu en Europe, en Belgique. Et on va tout miser sur notre doublette offensive qui, j'espère, sera alignée et qu'aujourd'hui, avec Taremi, Osmoun, voilà. Quand on le disait la dernière fois, c'est vrai que c'est un match qui s'est terminé en trombe au deuxième tour avec cette victoire de 0 contre le Pays de Galles. Est-ce que c'est pas un truc qui peut donner énormément de force à cette équipe pour venir battre les Américains, sachant que franchement, comme l'a dit Bruce, hein, les Américains, très honnêtement, ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, C'est pas mal, c'est hein. assez costaud, même si voilà, il n'y a pas eu de victoire au bout. Bah, au-delà de la force, c'est surtout sur le bilan comptable que ça leur donne de la force. C'est-à-dire que ce soir, les États-Unis ont 2 points, l'Iran a 3 points. Donc déjà, dans ce sens-là, si on prend le scénario où l'Angleterre ne perd pas contre le Pays de Galles, hein, évidemment, mais déjà en ce sens-là, l'Iran a un avantage qui est très net sur les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils peuvent au moins jouer le nul. Ils n'ont pas besoin d'attaquer, ils vont obliger les Américains à venir se découvrir et pourquoi pas les exploiter en contre, puisqu'on a vu que notamment ils ont une capacité de projection vers l'avant, les Iraniens, où ils sont très rapides, ils sont très bons dans ce domaine-là. Donc c'est déjà un avantage. Après, évidemment, psychologiquement, gagner un match en Coupe du Monde dans les derniers instants, surtout avec la malchance qu'ils avaient eue, on avait dit, vous avez frappé le poteau à 2 reprises, je crois, où ils avaient eu des occasions qu'ils avaient ratées par malchance, et arriver à chercher cette victoire en marquant la 98e et plus pour le deuxième but. Oui, sur le bilan comptable, ils sont bien, sur le plan psychologique, ils sont bien, sur la confiance, ils sont bien. J'ai envie de dire, là, tous les ingrédients sont là pour que l'Iran fasse un bon match face aux États-Unis. Après, les USA, jusqu'ici, ils nous ont donné satisfaction dans le contenu face au Pays de Galles. Ils ont été impressionnants en première mi-temps, surtout avec une grosse débauche énergétique où finalement ils l'ont payé en deuxième. Face à l'Angleterre,
Ma foi, 0-0, un match qui était pas le plus brillant qu'on ait vu depuis le début de la Coupe du Monde, mais ils ont quand même accroché l'Angleterre. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ils font bonne impression, mais aujourd'hui, ils ont que 2 points de match et il va falloir aller gagner face à l'Iran pour aller plus loin dans la compétition. Parce que faire bonne impression, c'est bien, mais si tu gagnes pas un match en phase de poule, c'est quand même compliqué d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà, il va falloir que les États-Unis aillent eux chercher leur qualification dans un contexte où ils sont pas dans une situation favorable. Et c'est là qu'on va voir si le football américain a tout simplement franchi un cap ou non. Scipion, tout pareil, hein, est-ce que là, avec un match qui va être quand même avec une certaine, qui va connaître une certaine tension, hein, deux équipes qui veulent absolument se qualifier, est-ce que pour toi l'Iran va plus essayer de gérer ou est-ce qu'elle va plutôt voilà, tenter le coup face à une équipe américaine qui a quand même pas mal d'éléments derrière qui peuvent aller très vite en contre? Non, c'est ça. Je pense que Carlos Queiroz, on l'a déjà vu en 2018, il y avait une bonne structure défensive. Ça a un petit peu volé en éclats lors du premier match contre l'Angleterre, mais il y avait un contexte un peu à part avec le gardien qui sort, les 15 minutes d'interruption. Donc, pas évident de gérer ça. Et franchement, contre le Pays de Galles, je trouve que c'était. Finalement, j'ai retrouvé cette équipe iranienne avec de très belles valeurs. En plus, je trouve qu'au niveau de la production du jeu, notamment en contre, et notre auditeur l'a dit, hein, la doublette Azmoun Taremi, surtout Taremi, moi qui me bluffe, que je trouve à la fois très très bon en buteur et dans ce match-là contre le Pays de Galles, en remiseur, en passeur décisif, enfin, c'est un joueur qui sort extrêmement bien les coups. Et c'est bien d'avoir cet attaquant dominant. Et pour le coup, voilà, si tu t'appuies là-dessus pour aller chercher les États-Unis, tu peux le faire. Mais voilà, ils sont dans la très très bonne configuration, comme l'a dit Kanto. Avec un nul, t'es qualifié, normalement. Il faudra voir ce que fait le Pays de Galles. Mais honnêtement, c'est aux États-Unis de se découvrir. Et on l'a vu, hein, quand les Gallois commencent un tout petit peu à sortir, les Iraniens en ont profité. Donc moi, pour le coup, je pars plutôt confiant pour l'Iran. Après, Chekaria le sait bien, hein, le contexte géopolitique, ce qui se passe autour de cette équipe, la question de l'hymne national chanté ou pas. Y a beaucoup d'émotions qui entrent en jeu pour cette équipe et ça, faut le gérer. Et honnêtement, je suis très curieux de voir comment ça va se passer lors de l'hymne national et ce que ça peut donner ensuite parce qu'on sait qu'il y a énormément de tensions autour de cette équipe. Oui. Donc, c'est une question qui est extrêmement compliquée à gérer pour le staff. Et ça, pour le coup, c'est pas évident de savoir comment ils vont s'en sortir. Justement, Aria, c'est ça, l'autre question que je voulais te poser, c'est sans forcément voilà revenir sur ce qui se passe autour, c'est est-ce que ces histoires politiques peuvent déteindre vraiment sur l'équipe, sur le terrain. Scipion parle de l'hymne national, c'est vrai que voilà, y a des choses qui se passent par rapport à ça. Les joueurs qui voilà, sont menacés s'ils ne le chantent pas. Est-ce que ça peut avoir un impact finalement dans le match? Bah, honnêtement, ce serait mentir que dire que ça n'influence pas. Ouais. Mais ça a surtout influencé lors du premier match. Mais en vrai, c'est vraiment le match du Pays de Galles où, en fait, c'est comme. Ça a tout changé en fait. Surtout que ça a permis d'unir tout le monde, montrer que c'est possible. Même si tout le monde est contre nous, le contexte n'est pas bon. C'est que quand il y a une équipe qui est unie, c'est possible quand même d'aller chercher cette qualification. Donc c'est pour ça que je disais, on revient de loin, mais évidemment que ça influence. Mais en plus, je pense que Queiroz a fait un super taf, surtout en conférence de presse, moi qui ai suivi. Surtout, il a vraiment essayé d'unir tout le monde. Et surtout penser que aux sportifs et à rien d'autre, et que ce match, ça pourrait être le match le plus décisif de notre histoire. Voilà. Ouais. Ouais, non, mais complètement, on l'a bien senti. Aria, en tout cas, merci beaucoup d'être passé avec nous, hein. On pourra rediscuter avec toi, voilà, de l'Iran, si jamais elle se qualifie. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, et on espère que au moins ça se passera bien ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne merci à soirée, toi. ciao. Merci à Ciao, toi, Aria. Bye Aria. bye. Voilà, Mangoulis. Et moi aussi, depuis tout à l'heure, je l'avais la ref avec Game Ah, of sur le Thrones. chat aussi, non. Ah ouais, c'était horrible. Alors, messieurs, peut-être l'autre match, très rapidement. Bon, a priori, l'Angleterre devrait se qualifier. Hein. Il n'y a pas vraiment de. Voilà, un défilé dehors, désolé. Ils t'ont retrouvé, Braque. Ah, ouais, un défilé, frère. Ça devrait pas être trop compliqué pour l'Angleterre, a priori, vu que de toute façon, ils ont quand même une nette avance sur le goal average. Le Pays de Galles ne pourra pas, a priori, les rattraper comme ça. Est-ce que pour vous, il peut quand même y avoir ce soir une petite surprise? Genre, Non. Le Pays de Galles qui s'impose et une autre équipe qui passe devant l'Angleterre. Est-ce que pour vous, ce serait vraiment une catastrophe pour les Anglais Bruce? Je pense pas, non, parce que le Pays de Galles, j'ai trouvé que c'était l'une des équipes les plus faibles pour le moment de cette Coupe du Ils Monde par sont rapport à ce fendus en deux, qu'ils ont on est montré. d'accord. Hein?
Ils sont fendus en deux, on est d'accord. Ouais, non, mais ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant, c'est catastrophique. Honnêtement, les Anglais, bon, ça va peut-être, y aura peut-être quelques joueurs où ça va bouger un peu ce soir et tout, mais en tout cas, ils vont prendre le match quand même au sérieux pour essayer déjà d'assurer aussi la première place, parce que ça peut être important pour la suite. Donc honnêtement, non, je vois aucun monde où le Pays de Galles a sa chance ce soir. Ouais, plutôt. De toute façon, c'est des équipes qui se connaissent très bien. Hein. C'est des cousins. Kanto, pareil, hein. Ouais, pareil, le Sénégal c'est une des équipes les plus décevantes. Bon ben voilà, c'est un petit pays de football de base, plus un pays de rugby. Ils ont eu la chance d'avoir une belle génération avec des pays leaders de comme Gareth plutôt, Bale, non, comme. Pays de Galles, t'as dit Galles, le Sénégal. T'as dit le Sénégal. Ah, le lapsus terrible. Ah non, c'est... non, non, je voulais dire le... évidemment le pays de Galles, parce que le Sénégal au rugby, je sais vraiment pas ce que ça donne. Je crois que j'ai jamais vu un Sénégalais tenir un ballon ovale dans les mains. Non, 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 le pays de Galles. Non, mais désolé, j'ai la crève, j'ai peut-être bafoué par rapport à ça. Mais non, non, je voulais évidemment dire le pays de Galles. Ils ont eu une grosse génération avec Gareth Bale, avec Aaron Ramsey, avec voilà, deux, trois leaders qui ont été dans l'équipe. Ils ont fait des choses énormes, je pense notamment à une demi d'Euro, mais voilà, là, maintenant c'est finito, hein, comme on dirait. C'est pauvre, voilà, c'est pauvre en termes oui, de oui. jeu, donc voilà, je n'en dirai pas plus. Ouais, il y a vraiment beaucoup de pauvreté, ça on l'a vu. Tu vas pouvoir nous donner ton avis, t'inquiète Scipion, ce sera pendant le Pronogate et on y est, c'est parti. Jingle. Jingle. Notre, c'est bon, on est là. Notre séquence prono qui est présentée par notre partenaire Winamax comme tous les soirs de match et donc d'émission. Je vous le rappelle, hein, on sera là vraiment pour couvrir l'intégralité de cette Coupe du Monde avec toute la team hors-jeu et donc avec Winamax qui nous accompagne. Le Pronogate, c'est très très simple. Si jamais vous nous rejoignez pour la première fois, c'est un championnat dans lequel on s'affronte tous. Tout le monde participe. Et ce un championnat où la corruption prédomine, je peux préciser ça aussi, bien évidemment. La corruption selon les membres du Pronogate. Hein. Certains voient de la corruption partout. Bon, vous avez compris, je pense, d'où ça vient. On a des matchs sur lesquels on pronostique à chaque fois des affiches sur les journées. Et par la suite, on fait un My Match. Je vous expliquerai ce que c'est le My Match. On va se regarder ça juste après. Mais. Pour les matchs qu'on a ciblés, c'est donc ce Iran-États-Unis, Pays de Galles-Angleterre et Australie-Danemark. Des cotes que vous pouvez retrouver sur le site winamax.fr. J'en profite pour rappeler que bien sûr les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Alors, regardons le récap des pronos. J'ai l'impression qu'on va avoir plus ou moins tous la même chose. Hein, parce que c'est vrai que les affiches peut-être là, pas quand sur toi, le elles premier, sont quand même assez... Ah, ouais, peut-être pas, voilà, sur le premier. Bon, après, ouais. Angleterre-Danemark, ok, mais je savais que sur États-Unis et ouais. Iran, il y aurait débat. Bon, ben voilà, Bruce Brack et moi-même, États-Unis. Derrière, il y a Zach et Scipion qui pensent que l'Iran vont peut-être fermer le jeu, ou en tout cas, peut-être les piéger en contre. Et derrière, ben, même s'ils prennent un but, il y aura un peu de marge. J'imagine que c'est le scénario prévu. Et Zal, lui, qui voit les Iraniens gagner carrément. C'est, ouais. C'est beau. C'est beau. Zal, de toute façon, c'est celui qui aime bien faire l'original. Alors qu'il connaît pas deux joueurs iraniens. De quoi, pardon? Alors qu'il connaît pas deux joueurs iraniens. Un gamin. Non, mais... Même Taremi Azmoun, c'est qui? Azmoun. Si Pion se paye de Galles-Angleterre, pas de surprise pour les Anglais? Non, après, je viens de voir la compo de notre ami Gareth Southgate. Il y a ouais. quand même des changements intéressants puisqu'il fait rentrer Anderson Foden, qu'on réclamait tous un petit peu, ah. et Rashford à la place de Sterling, Saka et Mount. Donc peut-être un 4-3-3, voire peut-être un 4-2-3 avec un Bellingham un peu plus haut. Du coup, très curieux de voir la relation Bellingham-Foden sur le terrain parce que vraiment, ça peut faire la différence. Ça pue le foot. Franchement, il met une compo parce que même Rashford, je trouve que son entrée contre l'Iran était bonne et tout. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose, pas convaincu totalement par Anderson, que je trouve un petit peu moyen, mais je pense qu'il cherche le meilleur équilibre possible pour relancer cette équipe dans cette compétition. Donc à voir, mais par rapport à la faiblesse du Pays de Galles que vous avez bien évoqué, je pense que l'Angleterre va s'imposer, mais pas une grosse marge, un petit 2-1, 3-1, tranquille. Ouais, la compo de l'Angleterre ce soir, hein, Jordan Pickford au cage, Kyle Walker, Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire, Declan Rice, Jordan Henderson au milieu de terrain, avec Jude Bellingham, Harry Kane, Marcus Rashford et Phil Foden pour l'attaque. Voilà la compo anglaise pour ce soir. L'attaque, alors... l'attaque, elle est sympa, je trouve. Ouais, non, de toute façon, ils ont de quoi faire, hein, les Anglais, ça,
On s'en fait pas pour eux. Le classement de ce Pronogate avec. Ouais, c'est dur. Avec encore c'est une dur. Fois des gens qui ont passé des My Match. On va le regarder. Visiblement, ça a bien bougé. Ça a bien bougé. On se regarde ça. Vous en avez dit, on peut passer le My Match là, de toute façon. Et oui. Et oui, il y a eu 4 le My Match. La corruption domine donc ce classement. C'est honteux. C'est terrible. Scipion qui perd sa première place au détriment, à la faveur pardon, du FC Guez. Scipion le prend en serré quand il regarde le chat maintenant. Ah ouais, là Scipion il est bien énervé, 16 points, il avait pourtant passé son My Match, hein, Scipion, attention. Kanto 3ème avec 14 points quand même, Kanto ça va, hein, tu te maintiens bien en vrai. Hein. Ouais mais bon là j'ai pas rentré mon My Match, j'avais fait le traître et j'avais pris Équateur, je me suis fait niquer au final, c'était là, j'avais mis un partout moi Kanto dans le My Match. Ah ouais. Ouais, pendant une minute, j'étais royal, mais ça tourne. Aïe, 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 aïe. Alors, regardez, les deux qui ont fait les trades, voilà, regardez, pas de My Match pour vous, ça vous apprendra pour la prochaine fois. Respectez le ça Sénégal. Ça va être dur, là. Et attention, bravo le Séguès, vous avez choisi mon My Match, et donc, on est ensemble, on a tous les deux passé nos My Match, donc voilà. Ça me permet de retrouver un petit peu des couleurs, là, parce que ça allait mal depuis le début. Toujours à égalité de points avec Zach. Alors, le My Match, c'est très très simple. Hein, on peut le composer sur le site winamax.fr. On choisit plusieurs sélections sur un même match. Et on va regarder ce que vous avez mis pour ce soir et demain. Non, pour demain, pardon, excusez-moi, pour demain. On peut balancer ça en régie. Tout à l'heure, Scipion, tu parlais de ton My Match hein, sur ce Tunisie-France. C'est ça. Moi, je vois un match nul avec des buts. Donc, j'ai joué la grosse cote au lieu de 5. Voilà, on prend un petit risque. Peut-être que je vais le regretter. Mais je me dis que la Tunisie va quand même quitter cette compétition avec un petit but. Et. Kix est en quête de record, donc voilà, je vois bien un partout, donc voilà, let's go, on y va. Ok, un partout, let's go. Bruce, alors toi, ton My Match, il est quand même assez spécial. Hein. Toi, tu vois la France marquer le premier but, marquer le dernier but et Kingsley Coman en buteur. Ouais, bah, ça peut faire 1-0 et que ça passe, quoi. Voilà, ah ouais. C'est ah ouais. Simple que ça. Non, je vois Coman marquer. Et ouais. Je vois la France, tu vois, comme ça peut faire un 2-1 ou quelque chose, mais je vois la France marquer le premier, le dernier but. De toute façon, je voulais faire une cote à plus de 5, donc j'ai tenté ça. Ok, très bien. Kanto, toi, qu'est-ce que tu nous as mis sur le même match? J'ai mis un 0-2-0 France, je vois pas la Tunisie marquer, donc voilà, j'ai mis un 0-2-0, je pense pas que non plus on va pratiquer du total football, je vois un match assez chiant à vrai dire, donc voilà, on verra. Ouais, j'ai l'impression qu'on voit un peu tous un match nul hein, pour ce Tunisie-France. Vous avez choisi le My Match de Bruce, vu que vous ne pouviez pas choisir mon My Match. Il est bien choisi hier. Ouais, il est intéressant. Ouais, en vrai, il est très bien. En vrai, il est intéressant. Moi, je suis fatigué de ce chat. Ça, c'était donc pour le Pronogate. Mais si on va vous laisser tranquille, on va vous laisser vous préparer pour les matchs du soir. Merci beaucoup, la team hors-jeu, pour ce nouveau hors-jeu spécial Coupe du Monde. On se retrouve demain. Et demain, c'est une émission, attention, en plateau. Parce que demain, c'est l'équipe de France qui joue. Donc voilà, quand l'équipe de France joue, on fait des émissions de 2 heures. Pour bien débriefer ces matchs-là, ça commencera à 18h. C'est à la même heure. On terminera à 20h pour aller se regarder l'Argentine, forcément. Et le Mexique aussi. C'est parfait, je vais pouvoir bouffer la crève. Ah non mais lui, on va pas le refaire lui. Merci à tous la team, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Et merci au chat. Et on n'oublie pas la corruption qu'est le chat, bien évidemment. Les fraudes. À demain, ciao.